OK, nous allons aller activer ça nous relais mode professionnel sur Facebook. Et là nous activer mode professionnel sur Facebook, ça permet que nous-mêmes nous gain accès à nous relais bouton monétisation, etc. Nous avons monétiser contenu nous sur Facebook et ensuite encore une série de l'autre bagaille que nous sommes capables de bénéficier. On aller pour nous faire ça, nous allons aller sur Facebook là, n'attendre ni lancer. Donc, nous sommes sur Facebook là, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Eh bien, nous avons cliqué sur photo profil nous qui est sur le site, ok? Là, sur profil, et puis nous regardons là, ok? Voilà. Et nous sommes là, ça c'est Facebook qui apparaît là, donc ça c'est ensemble de vidéos qui montent. Eh bien, qu'est-ce que nous fait? Nous allons activer mode professionnel, nous faisons clic là sur profil nous, et puis nous faisons cliquer sur trois petits points ça, et puis mais professionnel mode là. Nous cliquons sur turn on qui veut dire activer, et nous allons aller nous faire turn on professionnel. Et nous regardons là, YouTube dit là, il va ajouter tools pour nous dans le profil nous. Et deuxièmement, il est capable de payer nous pour contenu nous, contenu, et si nous sommes éligibles. Et puis après ça, nous avons pour nous déverrouiller monétisation tous les ans, côté que nous sommes capables de faire l'argent ensemble avec Facebook. Et ensuite, côté que nous avons une partie inside, côté que nous avons une quantité de monde qui engagé avec contenu nous, quantité de monde contenu nous rejoindre et commenter, etc. Après ça, let more people follow. OK? Et bien, appliquer, boum, pour nous virer en mode professionnel. OK? C'est très facile, très easy pour nous faire ça, la prend du temps. Peut-être si quelques personnes n'ont pas marché sur le téléphone, nous connaissons quelques bagages Facebook, pas quitter tout le monde qui a accès ensemble avec lui. Donc, nous avons ouvert là, nous avons activé, nous avons prétendu pour être capable de marcher et ensuite nous avons gagné ça, nous avons le dashboard professionnel là. OK? Professional mode setup. Ok, yo ba nou parti kote ke nou kapab setup. Donc, yo di nou fok nou gyon photo profil, yon cover. Sa yo tout ajouté moi-même, moi gyon cover, moi gyon photo profil, moi gyon ti bio, sa nou rele, yon ti biographie, un petit simple bref description. OK, après ça audience, donc nous besoin créer content, nous besoin ajouter détail. Donc ça yo getan fait pour moi, et bien qui ça n'a fait back. Donc là nous en mode professionnel, donc li pou commenter et nous ka refresh pour nous. OK, voilà, nous ka refresh pour nous. Est-ce qu'on a la montée? Donc, jusqu'à présent, il faut qu'on marche. On a retenu, peut-être, c'est Internet là. Donc, c'est comme ça que vous êtes capable d'activer ça, nous relais, mode professionnel là. OK? Inside là. Pour qu'on monte, dashboard professionnel là, il faut qu'on monte. Donc, on a obtenu Facebook pour Facebook afficher les pour nous. Donc, quand même, lorsque Paul en fait, donc, vous pouvez aller partir ça où. Il ne pourra pas afficher parce qu'il pourra aller en mode créateur. Donc, merci parce que tu as suivi la vidéo. Ça, on va croiser dans l'autre vidéo. Côté que, on va montrer la suite sur Facebook. D'accord? Bye bye. Nous sommes là. Limonté. OK. Voilà. Nous en mode créateur. Nous avons un cas follower. Nous avons 400 combien, 500 combien de monde qui nous follow. OK. Bipage, etc. Donc, c'est comme ça pour activer le mode professionnel sur Facebook, sur téléphone. Donc, nous espérons que la vidéo ça a été utile. Si vous avez une question, posez-vous dans les commentaires. On va croiser dans une autre vidéo. Bye bye.